Je dis qu'on doit faire le travail de marxiste, qui est de faire le travail critique sur le socialisme réel en tant que marxiste. Mais appliquer les outils marxistes à l'expérience socialiste. Mais dans ton explication, il y a le rapport marxiste. Mais c'est très intellectuel comme rapport. Mais comment on fait en sorte pour établir le rapport de force dans notre société pour espérer de mettre en place tout ce que tu dis? Parce qu'il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà marxiste. Prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi. Et que c'est l'allié. La classe moyenne est en train de toute manière... Regarde, Arlette Laguiller, elle a été sponsorisée pour sa bêtise parce qu'elle dit patron-travailleur. Elle empêche la lecture marxiste moderne. Car en réalité, les patrons-travailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as des technogestionnaires de l'appareil de production qui sont des salariés qui touchent des stock-options gigantesques et qui bossent pour un capital atomisé qui venait lui-même plus national, avec des noyaux durs. Donc si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, tu fais exploser ces concepts complètement archaïques qui ont pour but de t'empêcher de comprendre les rapports de classe modernes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie l'a sponsorisé. Parce que patron, travailleur, je veux bien, mais qui sont les patrons, qui sont les travailleurs? Tu découvres que qu'elles désignent comme patrons sont des travailleurs, mais ce qu'elles désignent comme travailleurs sont souvent des petits rentiers, complices de l'hyperclasse, tu vois, pour liquider la classe moyenne qui sont devenus des surtravailleurs. Tu vois, voilà. Donc moi je dis, soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Arlette Laguiller, au mieux c'est une idiote, je pense qu'elle est, mais au pire, c'est un joujou du capital, ça c'est clair et net, tu vois. Parce qu'elle produit une épistémologie tellement archaïque qu'elle t'empêche de rien comprendre. Tu vois, c'est comme un médecin qui pratique une médecine tellement dépassée que c'est un assassin et un boucher. Tu lui confies pas tes gosses, tu vois ce que je veux dire. Et réfléchissez donc au rôle historique qu'a joué lutte ouvrière dans la prise de conscience de ce que c'est que les rapports de classe, les rapports de force entre capital et travail. C'est un rôle entièrement réactionnaire qu'elle a joué objectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné une telle tribune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont financé, c'est bizarre quand tu as des gens qui financent la révolution, qui n'y ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi à certains moments, des révolutionnaires sont-ils financés par des gens qui n'ont aucun intérêt à la révolution ? C'est qu'ils y voient, eux, autre chose. Donc il faut comprendre les manipulations, etc. Alors qu'au premier degré, les militants soient honnêtes, que Arlette Laguiller pense réellement à ce qu'elle dit, c'est certain.